Relance des activités de la mine de Kipushi en arrêt depuis des décennies. Le premier ministre Sam Alukonde salue l'aboutissement heureux d'un long processus de négociations qui va permettre la création des milliers d'emplois pour les jeunes. Une réalisation qui va sans doute donner du boom économique à la ville de Kipushi dans la province du Haut-Katanga, la relance de production de zinc à haute teneur par la société Kipushi Corporation SACO. Une joint venture entre la Gécamine et Ivanhoe Mine. La cérémonie du lancement des activités de cette société a été présidée par Sam Alukonde, le Premier ministre. Un projet qui remonte de plusieurs années, symbole historique pour cette ville. Et grâce à une convention d'association, après une longue période de négociations, Kiko SA peut enfin redémarrer avec un nouveau vent et impacter positivement sur la vie des habitants de cette ville. Donc, il est venu à Zakusema, je n'ai pas de la compagnie. Cette cérémonie a connu la participation de plusieurs personnalités, dont le DG de la Gécamine, la ministre des Mines, la ministre du Portefeuille, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula, ainsi que le conseiller spécial du chef de l'État en matière des mines.